Je mettrai les gens à dos pour toi. Je serai une ennemie avec des gens pour toi. Je vais assumer. Tu ne peux pas te permettre d'insulter une femme pendant 2 ans. D'insulter les femmes sur Meta. De les qualifier de pros, de waka. Je vais coder. Pourtant, toi-même, tu es une waka. D'insulter les femmes qui ne sont pas mariées. Pourtant, pour te marier, tu as eu à marabouter un blanc. Tu as fait des pratiques mystiques pour avoir un blanc. Je t'ai dit que je vais te mettre. Tu vas te calmer. Elles vont se calmer. Regardez-moi une femme qui se lève. Elle dit qu'elle va demander aux filles de Meta. Elle va imposer le rythme. Ma chérie, je n'ai pas besoin de mettre la veste pour venir parler sur Meta. Voilà ma photo. Voilà. Voilà. Je n'ai pas besoin que tu dis comme... Même si on caricature, même dans la vie réelle, Oshiga m'a vu. Les gens m'ont vu. Tu m'as vu. J'ai le visage d'un bébé. Tout le monde le sait. Ce n'est même pas un débat. Oshiga m'a vu en direct. Tu m'as vu en direct. Je n'ai pas les frites ici. Je n'ai pas. Pour toi, quand tu plies ici, c'est mort. J'ai le visage d'un bébé. Tout le monde qui me voit le dit. Je ne mets pas les fonds de teint. Quand je mets le fond de teint, c'est la poupée. Je ne mets pas. Je n'ai pas le make-up chez moi. Je n'ai que les petits mascaras. Parce que j'ai grandi chez une dame qui ne faisait pas ça. Solange Yempe. Tu sors, je sors. Yempe Solange Mba. Dieu t'a tout donné, selon toi. Comment fais-tu pour t'occuper des femmes qui n'ont rien? Maman, selon toi, toujours. Bitani, chez ma bête, puis marine. Comment? Yagi. Une femme dit que Dieu lui a tout donné. Dieu lui a donné les enfants. Elle dit que le ventre de Lolo est pourri. Dieu n'a pas donné l'enfant à Lolo. Dieu n'a pas donné le mari à Lolo. Dieu n'a pas donné la richesse à Lolo. Mais pourquoi, depuis 2 ans, tu t'attaques à Lolo? Hein? Parce que Lolo a quelque chose que tu n'as pas. Lolo frustre ta vie. Lolo dérange ta vie. Lolo impacte ta vie. Lolo influence ta vie. Vous, comment pouvez-vous m'expliquer? Madame, tu n'as rien. Les milliardaires ne s'occupent pas des milliardaires. J'ai une mère tata en Angleterre. Elle a les dos. Elle ne gère pas nos histoires de Facebook. Quand tu parles de ça, elle est dépassée. Elle dit, what are you talking about? Elle me dit que petite soeur, what are you talking? Tu me dis que c'est qui? Elle dit que tu connais. C'est qui, Flore? C'est qui? Elle est perdue. Pourquoi? Quand on va sur YouTube, Yempe Solange. Mado. Yempe Solange. Honorine, bonsoir. Bonsoir, dirait-on assisté. Quand on va sur YouTube, pour toi qui es une milliardaire dans ta tête, ton dossier. Tu passes ton temps à humilier Michael Samen. Tu habites chez moi. Tu dormais chez moi. Tu mangeais dans ma clim. Tu la chosifies. Tu as une Michael Samen chez Lolo. Tu as qui? Même ta propre famille ne te veut pas. Tu payes tes frères avec les petits cadeaux pour qu'ils t'aiment. Tu as le milliard dans ta tête. Tu as les maisons dans ta tête. Tu as le mari dans ta tête. Tu es belle dans ta tête. Mais pourquoi tu t'attaques? Pourquoi tu t'appuies sur la vie des blogueuses Bracata? Tu peux nous expliquer? Tu veux qu'on te cite les soi-disant milliardaires comme toi qui ne gèrent pas les blogueuses Bracata? Yempe Solange Mba, tu veux qu'on te cite les blogueuses, les milliardaires dans ta tête, les impacteuses dans ta tête qui ne gèrent pas les blogueuses? Hein? Tu m'as ici là, tu as voulu insulter, comment on appelle la femme Bassa là? Comment on l'appelle? Oh, j'oublie son nom. Comment on appelle la femme Bassa là? Yempe Solange, tu es frustré. Tu es frustré. C'est moi qui t'ai dit que quand elle fait mon direct, tu sors. Tu sors, je sors. On va sortir. On va venir relever tes incohérences. Ma chérie, tu n'as rien. Arrive chez toi. Tu nous filmes ta demeure. Filme ta chambre. Regardez le lit. Elle partait se filmer. Elle manque. Elle t'a dit non. Cette femme ne ment pas. Ce n'est pas du bluff. Ça se voit qu'elle ne vend pas le rêve. Elle a eu la chance de tomber sur un homme qui l'a valorisé. Un homme qui l'a mis en haut. Tu as rabaissé Bayan chez moi plusieurs fois. Je t'ai dit que tu mens. Je t'ai dit, grande son nom, tu ne la connais pas. J'ai compris que tu es une femme frustrée. Tu n'as rien.
Occupe-toi de tes milliardaires. Lâche les baskets, Lolo. Tu ne pourras pas diriger leur vie. Ce que tu n'aimes pas voir, Eugénie Mba, c'est ce que Lolo va faire. Ce que tu n'aimes pas voir, c'est ce que Lolo va faire juste pour t'énerver. Tu as dit que tu es en train de... Tu as dit... Non, je veux vous... Tu as dit que quand on tape le nom de Google de Lolo, on voit la merde. Yo, Mba, Mba Eugénie, quand on tape ton nom sur YouTube, plus milliardaire, ça laisse à désirer. Tu cries. Tu dis des gros mots. Tu n'es pas attirante. Ça laisse à désirer. Avant qu'il y ait des filtres, on a vu tes quintos. Ton visage. Va regarder sur YouTube à quoi tu ressembles. Les filtres viennent tromper. Quand vous voyez quelqu'un filtré, ce n'est pas la même personne dans la vie réelle. Oshiga m'a vu il y a quelques mois. Demande-lui. Ma Juju m'a vu. Je ne comprends pas. Elle m'a vu il y a quelques mois. Elle était choquée. Elle était choquée. On a vu ton état brut quand il n'y avait pas le filtre. Yempe Solange, on a vu ton état brut quand il n'y avait pas le filtre. Ta peau laisse à désirer. Prends le temps pour ta peau. Va raffermir ta peau. Avant de venir parler aux femmes. Une femme, ton soir disait à Kabi, tu dis que l'on n'a pas accouché. Toi, tu as accouché. Tu connais ta vie demain. Tu connais où Dieu peut te mener. Tu ne connais pas. Nobody knows tomorrow. Personne ne connaît son futur. Je ne connais pas mon tchoukouf. Je n'ai aucune idée de ce que me réserve demain. Je ne connais pas ce qui se passera dans 2 heures de temps. Je n'ai aucune idée de ce qui se passera dans 30 minutes. Je n'ai aucune idée. Rien n'est acquis. Tu es une petite parvenue. Tu es jalouse. Vous savez, je vous ai toujours dit que quelqu'un peut avoir le matériel. Mais te jalouse toi qui n'as rien. Parce que tu es un petit quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, mais qui attire des gens. C'est le cas de Lolo. Solange Bi, bah, tu ne peux pas appeler les femmes prostituées. Pourtant, tu as bordé à Kribi. Tu mettais ton comptoir à chaque arrêt du pipeline. Quand le pipeline quittait Ebolova pour Lolo Dof, Waka, tu ne peux pas appeler notre femme Waka pendant 2 ans. 2 ans d'insultes. 2 ans de dénigrement, l'on ne te répond pas. Tu as cru que moi, j'allais me mettre en spectacle avec ma soeur, comme tu t'es mis avec ta petite soeur. Ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que tu as voulu faire croire aux gens que quand j'allais au Cameroun, je t'ai appelé. Ah, mais non. Ah, non. Quand j'allais au Cameroun, ma chérie. Quand j'allais au Cameroun, je te l'ai dit qu'on était à Belgique, à la fête de Mivolpone. Que tu as payé en, comment on appelle ça, en monnaie de singe. Tu es allé à la soirée de Mivolpone, tu n'as pas payé ta soirée. Elle est revenue, tu es revenu à Manchester, elle t'a mis la pression pour que tu payes ta table. Bonsoir Edith, bonsoir Virginie, Annette. Nous sommes allés à Lyon, à Belgique. C'est là où je t'ai dit que je m'en vais au Cameroun. Tu ne parles plus de lui. Ce n'est pas un gigolo. Et tel que j'allais au Cameroun, tu es venu mentir que je ne parlais pas avec ma soeur. Si je sais laisser mon enfant, je lui dis, Fouken, c'est fou. C'est ma soeur qui m'envoie quelqu'un pour rester avec l'enfant. C'est ma soeur qui m'envoie quelqu'un pour rester avec l'enfant. Parce que depuis que je suis en Australie, Lolo va faire exactement ce que tu n'aimes pas. Comme tu n'aimes pas et qu'elle crie, c'est là où elle va crier. C'est là où elle va crier. Tu as compris? Tu n'as rien. On a vu ton placard, ta garde-robe, ça laisse à désirer. On a vu ton coin dans ta maison, tu n'es pas mieux que nous. Tu vis dans le quartier perdu. Comme le 93 à Paris. C'est là-bas que tu vis à Manchester. Dans le coin des bandits, des cassas, des voleurs. C'est là-bas que tu vis à Manchester. Tu n'es pas dans un quartier huppé de Manchester. Je t'ai dit que Solange, Yempe Eugénie, bonsoir Sandrine, bonsoir Irène, bonsoir Anne-Simone, bonsoir Maman Colette. J'ai pris 2 ans de patience pour te répondre. Tu sors, je sors. La tisite. Tu sors, je sors. Eugénie Yempe.
Tu veux la Samantha de Meta. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit que si on te donnait la place de Lolo, que si seulement on te donnait la place de Lolo. Tu me l'as dit à plusieurs reprises que si seulement on te donnait la place de Lolo, tu allais faire de grandes choses à plusieurs reprises. Tu as commencé à te plaindre d'elle. Et t'as dit qu'elle est comme ça depuis toute petite. Toute ma famille, on sait qu'elle est comme ça. On a des secrets de famille. Donne-moi un seul secret de la comme deux. Quand le pape a qu'il y a pompe deux pour Lolo, pour Grand Batanga, tu portes ton pointeur de piment, tu vas t'installer à Grand Batanga. Quand le pape a qu'il y a Grand Batanga pour Zio, tu portais ton comptoir de piment, tu allais t'installer en Zio. Tu as fait la prostitution à Kribi. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est là où tu as rencontré ce monsieur après avoir binda plusieurs blancs du pipeline. Les blancs du pipeline ont dragué tout le monde. Moi-même, les blancs du pipeline m'ont dragué. Ils étaient versés à Kribi. Les blancs du pipeline m'ont dragué. Quand je venais en vacances à Kribi, je n'allais pas à Kribi. Je suis revenu à Kribi après mon bac. Je ne mettais pas mon pied à Kribi. Mon père avait interdit à ma tante de me laisser aller à Kribi en vacances. J'étais interdiction formelle de mettre mon pied à Kribi. J'ai mis mon pied à Kribi après mon bac. Les blancs du pape là m'ont dragué. Devant la boutique de ma mère, j'étais en route. Mais toi, tu étais les premières filles qui sont allées à l'entrée, à l'arrivée du pipeline. Tu étais les premiers waka du pipeline. Tu es ton blanc, monsieur B, au pipeline. Véronica Mars, lumière, gloire, bonsoir. Solange IMP, les premières filles qui ont accueilli le pipeline à Kribi, c'est toi. Les premières filles, non, ta Lolo ne la touche pas. Attends, laissez Lolo gérer. Lolo ne la gère pas. Vous avez dit ça plusieurs fois. Écoutez-moi. Je sais ce que je fais. Elle attend que ça. Lolo va montrer aux gens que c'est toi qui as son temps depuis 2 ans. Lolo montre aux gens, aux vues, au monde entier que c'est toi qui as son temps. C'est elle qui te donne des insomnies. YMP Solange, Eugénie. Mato, bonsoir. Les premières femmes qui ont accueilli les premiers blancs du pipeline. Les premiers waka qui ont accueilli les premiers blancs du pipeline. Tu es parmi Eugénie Mba. Je dis que quand le pipeline arrivait à Kribi, tu étais parmi les premières prostituées. Tu étais parmi les premières prostituées. Merci Santa. Georgette, partagez mon direct. Bonsoir Charlotte. Bonsoir mon petit frère Gassam. Tu étais parmi les premières prostituées. Quand le pipeline, quand on a annoncé l'arrivée des blancs à Kribi, c'était l'effervescence. Pour Ebolova, pour Lolodov. Le pipeline se déplace. Tu portes ton comptoir de piment de Lolodov à Kondo. Zélaïs. Non, pas de masse, Ticolo la gère. Bonsoir, Jeanne. Non, c'est méga. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Amélia. Bonsoir, Biglam. Bonsoir, Georgette. Bonsoir, Raï. Bonsoir, Esther. Je n'ai pas besoin de mettre le make-up pour venir parler aux gens. J'ai le visage d'un bébé. Tout le monde qui me voit me dit. C'est la première chose qu'on me dit quand on me voit. Vasden! Yeah, it's too dark, guys. C'est le premier compliment qu'on me donne. Je n'ai pas besoin de me copier. Solange et Genimba, tu ne peux pas appeler Flore de Lille, compresseur et Lolo des prostituées. Pourtant, tu es celle qui a accueilli les blancs du pipeline. Quand le pipeline arrive à Kribi, les premières filles
a dit bienvenue aux blancs du pipeline. Ce sont les Solange. J'ai vu derrière qu'on doit de bénir. C'est pas possible. C'est faux. Tu vendais le piment. Eugénie Mba, tu vendais le piment. Tu es les premières femmes qui ont dit merci, bienvenue aux blancs du pipeline. Toutes les filles de Kribi, la majorité, ont été draguées par les blancs du pipeline. La majorité des femmes de Kribi. Bonsoir Amalia. Bonsoir ma grande soeur Sylvie Ténière. La majorité des femmes de Kribi ont toutes été draguées par les pipelines. Par les blancs qui faisaient du pipeline. Plein de Kribiennes ont épousé les blancs du pipeline. Les filles quittaient de Yaoundé. Les filles quittaient de Douala pour venir à Kribi faire la bordelerie. C'était le fief. Et dès que tu déplaçais ton comptoir de piment à chaque arrêt du pipeline. À chaque village où le pipeline s'arrêtait, Solange Bi allait là-bas vendre le piment. Je ne mens pas. Je n'invente pas des histoires sur toi. C'est la vérité qui sort de la bouche de ta famille. Ce n'est pas moi qui invente ça. Gutna ben Betty, ma sister. Mieux get is good. They're good. Bonsoir Cindy Fosfos. C'était toi le comité d'accueil. Merci Otonze. C'était toi. Ce n'est pas elle. Merci mon américaine. Ma Maureen l'africaine. Solange Mba. Solange Mba. Ma mandibule. Je n'ai pas besoin de mettre le filtre. De mettre le make-up pour venir vous parler. Je n'ai pas besoin. Quand on me voit, la première chose qu'on me dit, c'est que j'ai un visage d'enfant. Je suis petite fille. Je t'ai vue en face. Ici, c'est ridé. Parce que tu as agressé ta peau. Ici, partout, c'est ridé. Les cuisses, n'en parlons plus. Tu insultes le ventre pourri de ma soeur. Tu as vu tes cuisses? Tu mets le collant parce que tu caches les grosses végétures. Tu n'as pas les végétures fines. Tu as les végétures qui éclatent. Quand ça éclate, ça lâche la peau comme ça. Tu étais le comité d'accueil des premiers blancs qui sont arrivés à Kribi au pipeline. Tu étais les premiers Waka. Les autochtones, les reines-mères du Waka de Kribi. C'était toi, Solange. Ma mandibule, ma colon. Tu crois que tu es la seule blanche, la seule Kribienne qui a épousé un blanc du pipeline? Mais non. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Même moi, rêve bien, j'ai été draguée par les blancs du pipeline. Sud. Tu as voyagé en le sous avec ton comptoir de piment. Tout Kribi le sait. Tout Kribi le sait. Pour ta copine, ça, mais n'en parlons plus. Je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche. C'est trop sale. Personne ne te veut. Personne ne te veut. Même Samen, tu l'as eu grâce à Loulou. Quand tu es arrivé au Cameroun, tu naguais les Samen. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu les naguais. Tu as fait. Tu es contente avec Loulou. C'est Loulou qui te met en contact avec Samen. Mais partez, fichez-nous le camp. Ne vous occupez pas de notre vie. Si on a une vie de merde, fichez le camp. Si l'on n'a pas accouché et que ta fille est avocate, gloire à Dieu. Tu sais pas ce que sa fille sera demain. Peut-être sera première dame du Cameroun. Peut-être sa fille sera la première dame de la France. Peut-être sera la première dame des États-Unis. Tu connais pas son destin. Peut-être la fille de l'eau sera, je ne sais pas. Va le répéter l'anglais de mon fils qui m'appelle. Ta fille a eu, elle est grande, elle est avocate. Ma chérie, tu connais combien de femmes ont des enfants avocates, magistrates? Combien de Camerounaises ont des enfants magistrates? Mais n'empeste pas le monde comme toi. Yempe Solange, ma colon. Tu mets les collants parce que tu caches les végétures. Pé Solange, S épouse B. Tu étais la première Waka, les premiers Waka qui ont accueilli les plans du pipeline. Tu étais parmi. Qui ne connaît pas ça, Kribi? Que tu aies ton blanc dans le piment.
qui ne connaît pas. La plupart des filles, elles venaient de Yaoundé. Tu voyais Kribi, tu ne reconnaissais pas Kribi. Tu voyais les nouveaux visages que tu ne connais pas parce qu'elles venaient se chercher. Bonsoir Clara. Les filles venaient se chercher. Et c'est comme ça que elles entraient les marabouts. C'était la course des marabouts. Et je vais faire écouter aux Camerounais. Quand tu as rencontré Monsieur Bi, qu'est-ce qui s'est passé? Ta fille avocate, gloire à Dieu, félicitations! Mais tu n'es personne pour parler de l'avenir de ma nièce. Elle s'appelle Louise Gloria, la gloire. Elle s'appelle Louise Gloria, la gloire. La gloire est posée sur sa tête. Ce n'est qu'une question de temps. C'est la gloire. Elle sera plus que ce que ta fille est. Tu ne peux pas dire que la gloire va abandonner Lolo. Gloire ne pourra pas abandonner Lolo. C'est notre toc. C'est notre sorcellerie. C'est notre enfant. Ma fille qui a 3 mois le 8 décembre. T'as mon direct sur Tata Lolo TV. Partage ça vite. Fais vite. Partage le direct ici. Écris-moi ma Gloria Louise. Écris-moi ma Sistou. Ou gros en WhatsApp. Écris-moi maman. Tu as cru que j'allais me mettre en spectacle un jour avec ma grande soeur? Comme ta petite soeur l'a fait avec toi? Comme tes frères l'ont fait avec toi? Tu as tout ce que tu crois avoir, mais tu n'as pas l'amour de tien. C'est pour ça que tu allais t'accrocher ce Samen Michael. Au profit de tes soeurs. Ta soeur a mis un post qu'on m'a mis, qu'on m'a envoyé, qu'on m'a forward. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dukandas nicht trinken. Nein. Ça pique. Elle a dit que Lolo, je vais gérer ton problème, c'est ma grande soeur. Après, on va continuer nos problèmes. Donc, vous avez encore les problèmes. Elle va gérer le problème de Lolo avec toi. Après, vous allez continuer votre guerre. Honte à vous. Tu n'aimais pas personne, YMP Genie. Ma mandibule, ma colon, tu n'aimais pas personne. Tu n'aimais pas, si tu veux, tu ne partages pas, c'est pas grave. Tu n'aimais pas personne. Tu n'as pas besoin de venir montrer aux yeux du monde que je n'envie pas ma soeur ne m'envie pas. Mais toi là, tu ne veux me faire. Tu es l'une des premières prostituées qui a accueilli le pape à Yakribi. Ce n'est pas un débat. Tu es l'une des premières Waka qui a accueilli le peuple à Yakribi. Ne viens pas appeler les femmes Waka, pourtant tu en es une. Tu n'es pas un exemple. Tu dis que quand on tape Google, on tape Lolo, on voit la merde. Je tape YouTube. On voit à quoi ressemble ton YouTube. Ce n'est que la saleté. Tu insultes telle. Avec le milliard, tu as le temps de t'occuper des vies des gens qui n'ont rien. Tapons YouTube. On regarde ta vie. Ce n'est que la merde. Jusqu'à tu insultes la première dame du Cameroun. Tu insultes la première dame du Cameroun jusqu'à son intimité. Parce que tu te prenais pour qui? Parce que tu voulais te faire voir. Tu voulais avoir la vue. Jusque là, on t'a rejeté. Même sur les réseaux sociaux, il faut que les abeilles viennent renforcer ce que tu dis. Tu n'as pas de team. Où sont tes impacteurs? Où sont tes impactrices? Où sont-elles? Où sont tes collègues impacteuses? Tu n'as pas un réseau social avec des collègues impacteuses? Où sont tes impactés? Je ne les vois pas. Je ne vois que les abeilles d'une autre dame que tu as appelée prostituée. Pourtant, tu en es une. Ta mère ne veut pas entendre parler de toi. Nobody love you. Tu es frustré. Personne ne veut de toi. Tu as pris le dossier de Samy. Tu as chargé Karimo. Jusque-là, personne ne t'a approché. Quand tu fais un post qui ne parle pas de Lolo, tu as 3 commentaires. Tu as 2 commentaires. Tu as 7 commentaires. Quand tu dis Lolo, tu as 200 commentaires. Qui impacte l'autre? Tu peux me dire, ma mandibule, ma colon de Manchester, qui impacte l'autre? Quand tu ne parles pas de Lolo, tu as 2 commentaires. Tu as 3 commentaires.
Tu as 250 vues. Quand tu mets Lolo, tu as 200 commentaires. Qui impacte l'autre? Qui impacte l'autre? Tu peux nous dire, j'ai pris 2 ans pour te supporter. Tu ne peux pas appeler les femmes Waka. Pourtant, tu es l'autochtone, la reine-mère de Waka de Kribi. Solange, Eugénie, tu es la reine-mère de Waka de Kribi. Quand nous ne connaissait même pas comment on yoxe l'homme, tu bindais les blancs du pipeline. Quand nous ne connaissait pas comment binda l'homme, tu bindais les blancs du pipeline. Bonsoir, Choupita la merveille. Solange, c'est ça qui te donne la haine que tu as. Ignore la vie des femmes qui n'ont pas de vie. Ignore la vie des femmes qui n'ont pas d'enfants. Ignore la vie des femmes qui n'ont pas d'argent. Occupe-toi des impacteuses et des impactés. Mais tu ne fais pas ça. Et ce n'est pas Lise Moumbem que tu insultes, c'est Lolo. Et ce n'est pas Lolo, c'est la reine Mère Bio. Et ce n'est pas reine Mère Bio, c'est Karimo. Et ce n'est pas Karimo, c'est Flore. Et ce n'est pas Flore. Mais tu n'as pas de vie. Tu impactes à quel niveau? Sur Instagram? Tu impactes où? Sur TikTok? Tu n'impactes pas. En fait, tu veux cacher ton vrai métier, le Waka. Tu veux cacher le vrai métier, le Waka. Tu viens cogner, tu dis que l'autre, tu parlais de Mimi Volpone. Tu avais dit que Mimi Volpone, elle vend des secrets. On connaît vos mots là. Tu avais dit que l'autre, donne-nous un seul mot où Mimi Volpone pourra se reconnaître. Là, elle dira que ma copine Lolo a parlé de moi. J'ai les secrets avec Lolo. On a nos secrets. Si un jour, elle t'a dit un mot, comme ça, elle saura que rêve a dit. On a nos secrets de famille. Que même l'homme qui partage ma vie, je ne peux jamais lui dire. C'est comme ça que je suis. Je sais faire la part des choses. Je peux parler, mais il y a des mots que je ne dis pas. On a nos secrets de famille. Que jamais je ne... C'était tracé. Il a dit, tu vas aller au Cameroun, tu tomberas enceinte, tu accoucheras le 8 décembre, comme ton père. Je vais te prendre après, s'il te plaît, je te prends après. C'était tracé. Tu as compris? C'était tracé. Je ne t'ai jamais dit que je n'ai pas dit à ma grande soeur que j'allais au Cameroun. C'est elle qui m'envoie quelqu'un pour garder mon fils. Parce que je suis allée en mars. C'est elle qui m'envoie quelqu'un. Quand je quitte l'Allemagne, il y a quelqu'un qui avait mon fils. Tu as vu comment tu as menti? Parce que tu as voulu faire croire aux gens que je ne m'entends pas et ma soeur, on peut avoir des divergences d'opinion. C'est normal! Elle n'a pas grandi à Kribi, je n'ai pas grandi à Kribi. J'ai grandi chez la mère des pros et chez la grand-mère des pros. Elle a grandi chez mon grand-père. C'est normal qu'on ait des divergences d'opinion. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes amis. C'est normal que ses amis m'insupportent. Elle a certains amis qui m'insupportent. C'est normal! Elle ne peut pas voir les amis que j'ai. Elle n'aime pas mon style d'amis. Je n'aime pas son style d'amis. C'est normal. Elle a son style d'amis, j'ai mon style d'amis. Elle a son style de vie, j'ai mon style de vie. C'est normal. Mais c'est ma soeur. Jamais. Jamais je mettrai un spectacle avec elle. Jamais. Jamais. Elle peut dire un truc qu'elle ne fait pas. La place stationnait à Lolodof, tu t'arrêtes à Lolodof pour vendre le piment. Le peuple à qui Lolodof a comme deux, tu t'arrêtes à comme deux pour vendre le piment. Le peuple à qui il a comme deux, Bambatanga, tu t'arrêtes à Grand Batanga pour vendre le piment. C'est comme ça que tu as rencontré Monsieur Bi. Avant de rencontrer Monsieur Bi, il avait sorti avec beaucoup de cribiennes. Avec beaucoup de filles qui voulaient le peuple à. Tu n'es pas la première femme que Monsieur Bi a connue. Et j'ai fait écouter au Camerounais. Comment tu as eu Monsieur Bi? Parce que il y a la différence de rencontrer un monsieur, il t'aime d'un amour normal, sans être sous la pression des médicaments, du mystique, il t'épouse. Comme notre premier dame a rencontré le père, il est épousé, il est tombé amoureux d'une beauté. C'est différent d'un homme qui vient binda Waka et qui caille. Vous avez compris? Un homme qui te rencontre, malgré tes folies, il dit que toi je vais t'aimer. Je vais te prendre, même si tu es la folle, je vais t'aimer. L'amour vient simplement, sans mystique, est différent. D'un homme qui a rencontré Waka, dans une pimenterie, quelque part dans le sud, et il a épousé, c'est différent.
Parce que quand le blanc t'épouse, il est encore marié. Il vient au Cameroun étant marié. Je te parle ce que ta soeur m'a dit. Quand je ne mens pas. Je ne mens pas. Kribi, c'est une petite ville. On connaît tout le monde. Quand le blanc te rencontre, il a son alliance. Il est marié. Il est marié. Il rencontre Uwaka comme il rencontre Androute. Parce que ces blancs travaillent dans des sites de pétrole. Il n'avait que le week-end pour sortir dans Kribi. Vous comprenez? Pour un peu se désaltérer. Comment on dit? Je perds les mots. Hein, pour se réjouir, se déstresser. Donc, ils sortaient de leur village, là, les sites, et ils arrivaient à Kribi. Mais comme les filles voyaient que le blanc ne venait que à Kribi le week-end, elles ont déménagé, elles sont là habitées dans les villages, là. C'est-à-dire que quand le blanc sort du site pour aller dans les appartements qu'on les avait pris, vous voyez, il passe, il peut te rencontrer. Donc le blanc, en une soirée, pouvait avoir la passe d'une ou deux filles. Et le lendemain, aller au boulot en forme. Que d'attendre le vendredi quand ils viendront à Kribi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bonsoir Sike, Valérie. Donc les blancs, merci beaucoup Vonvon. Les blancs quittaient les sites des petits villages et se retrouvaient dans la grande ville de Kribi pour se détendre. Les filles ont vu que c'est fort de rencontrer un blanc là, le blanc là. Si vous voyez ma mandibule, vous allez pleurer. Si je mens, demanda à ses copines, le monsieur la frappait. Le monsieur la frappait. Il dit qu'il la portait. Il la jette dans le poids dur. Isakam. C'est là où on lui dit qu'il y a les papes là, les blancs qui arrivent. C'est là où tu rencontres Monsieur Bi. Monsieur Bi est marié. Tu veux te faire passer parce que tu n'es pas. Monsieur Bi est encore marié. Tu lui dis quoi? J'ai le gros lot. Tu entres chez les pygmées. Je vais montrer ta photo au Camerounais où tu es chez les pygmées. On va écouter ce que ta propre famille dit. Comment tu as eu Monsieur Bi? Ne soyez pas choqués. Hein. Écoutez très bien. C'est ta famille qui dit. C'est ta famille. Ce monsieur t'a épousé, pas parce qu'il t'aimait trop. Pas parce que tu étais trop belle. Parce qu'il ne savait plus. Il n'était plus sous son contrôle. Il était sous ton contrôle. Tu étais sa télécommande. Tu le frappais même. Tu le frappais. C'est ta soeur qui me dit. Mais le monsieur ne pouvait rien faire. Il était sous ton emprise. Uwaka ne peut pas appeler les autres Uwaka. Tellement il y avait la misère que quand tu as eu le blanc, tu as dit, même s'il faut tomber dans le vouri, je sortirai. J'étais trop respectée. Les nyamanyama qui sortaient là, je ne les gère pas. Tu sors, je sors. J'ai gros dans le cœur pour toi. J'ai trop à dire. Partagez le direct. Partagez. J'ai supporté 2 ans. 2 ans, c'est trop. Tu es plus riche, non? Bon. And I'm telling you, he's falling on me today. Oh, let him fall. If you let him overfall, I got in a key. He's blessing someone today. Julien Zombie, bonsoir la reine Medelomania. Bonsoir Biglam. Non, ne me mets pas la pression, ne mets pas la pression. Vous savez que l'époque est terminée. Pour vous insulter, les gens fermaient leur bouche. Moi, je sors. Oui, oui. Je sors.
Si vous avez même tout, bien mettre la caméra, elle va dire que j'ai bien y assume. Moi, donc, j'ai pas le temps, hein. Comme tu dis que tu es zinzin, là. Oh, je suis 10 fois. Demande à Sam le jour où ma matin est morte, ce que j'ai fait à Kribi. Elle va te dire que rêve, c'est une folle. Tu me connais pas. Tu me fais pas peur, ma chérie. Tu es petite. Demande à Sam. Elle va dire que je suis dangereuse. Tu me connais pas bien. Elle est toujours en train de me bloquer. Elle me dit de ne pas dire. Non, c'est une bonne personne. Mais je suis vraiment désolée. Oui, je sais qu'elle met l'eau froide. Je n'ai rien contre son... oui, c'est ma marraine. C'est ma marraine. Mais je l'ai d'abord bloquée. Je suis désolée. On va arranger après ma marraine. Oh, dites bonsoir, oui, ma soeur. Voilà Banjo. Voilà ma soeur de Kribi, ma Kissi d'amour. Voici les femmes. Voici mes sœurs qui m'ont vu à Kribi. Voici Banjo. Hé, hey, ma Kissi d'amour. For the beautiful baby. Thank you very. C'est ma copine. C'est ma copine. C'est la fille de ma mère. Banjo, voilà, c'est la fille de ma mère. Elle venait s'asseoir avec moi comme ça, on cause toute la journée. On parle, je l'accompagne, elle revient. C'est mon amie. Quand elle me voit, elle ne me reconnaît pas. Elle dit que c'est ma mère. Fait. Ça colle, on vous doit seulement... Écoutez, c'est sa famille, c'est qui ici? Je vais d'abord demander pardon à ma marraine. C'est qui ici? Reina, je te demande vraiment pardon, mais je suis désolée. L'anniversaire de Lizani, la tata de Lizani envoie le cadeau. Je suis vraiment désolée. La tata de Lizani, Mano Sabi. Après le direct, merci. Mano Sabi, ma personne, je te fais des bisous, ma personne personnelle. Julie Duncan, merci d'être là. C'est qui ici? C'est qui ici? C'est sa petite soeur, même père, même mère. Si je vous parle de Lolo, la vérité viendra seulement de ma bouche. Si quelqu'un de vous parle de Lolo, ce sont des histoires dormies debout. Si je vous parle, la vérité vient de ma bouche. Je dis bonsoir à la reine Mère Bio. Je dis bonsoir à la reine Mère Bio. Tu ne peux pas insulter les femmes Waka. Pourtant, tu étais la première, le comité d'accueil. Des blancs du pipeline. C'est là où tu as rencontré ton mari. Et dès que tu l'as eu, il est encore marié. Je vous dis donc pourquoi Monsieur B est allé divorcer rapidement. Sa femme ne comprenait pas. Elle était perdue. Elle a chassé la femme de Monsieur B. Parce que le fétiche, écoutez. Moi, elle insulte la reine Mère Bio. Elle est citalise au monde même. C'est une fille. Les femmes ne connaissent pas le Wakati mal. Elle est toujours en train de me bloquer. Elle me dit de ne pas dire. Non, c'est une bonne personne. Mais je suis vraiment désolée. Oui, je sais qu'elle met l'eau froide. L'anniversaire de la fille, je n'ai rien contre son... oui, c'est ma marraine. C'est ma marraine. Mais je l'ai d'abord bloquée. Je suis désolée. On va arranger après ma marraine. Après, je vais te mettre le message que ton frère m'a écrit. Tu n'aimais pas personne. Même Sam avec qui tu es. Je ris, ça ne finit pas. Oui, je suis encore en direct. Elle a pas recommencé. Je la bloque d'abord parce que quand elle dit, elle fait. Bonsoir Thérèse. Tu sors demain, je sors. Non. Tu sors après demain, je sors. Et je ne vais même plus jamais accepter les amitiés avec des étrangers. Ceux qui me demandent encore l'amitié, je n'accepte plus l'amitié. Parce qu'il y a trop de faux profils qui viennent me parler. Tu vois comment on me signale? C'est chez eux. Hein? La femme d'un blanc. Écoutez, d'un pétrolier. Nous, on n'a rien, ma. On n'a pas dit qu'on a. Écoutez la famille. Sa petite, c'est en train de. Maman, ça y est, la sorcellerie, c'est d'eau. Maman, va, tout d'eau. C'est encore quoi, ça, non? Je pas la magie, ça. Oh,
Ne laissez jamais qu'on salisse votre honneur. Défendez-vous. Ne laissez jamais qu'on salisse votre honneur. Parce qu'il y a trop de faux profils qui viennent maintenant. Tu vois comment on me signale, non? Quel rôle êtes-vous là? Je pense à la personne. Partagez, je suis calme. Partagez le direct. Ils ont supprimé quoi? Voilà, merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs. Parce que je dois parler, j'étouffe. J'étouffe. Elle étouffe, sa petite c'est étouffe. C'est pas une personne, hein. Ça, non, pas elle le dirait si. Je peux pas vous prendre maintenant, ouais. Je vais vous dire ça comment. C'est qui ici? Bambi dit c'est qui, je te connais pas. Ce papa, comment il est mort? Pourquoi il est mort? Donc, partagez le direct. La mère dit qu'elle est la dernière des filles. Et c'est vrai, oui. Elle a sorti ça parce qu'elle a suivi le direct de sa fille aujourd'hui là. Elle est vraiment, jusqu'aujourd'hui, elle essayait un peu de couvrir tout. Mais on a montré le direct là, on était obligé de montrer. On était obligé de montrer. Donc partagez le direct. Partagez. Aujourd'hui là non, le direct c'est jusqu'à 2h du matin. Oui, parce qu'on a des révélations. On a vraiment des révélations. Vous voyez que les têtes de mort ne viennent plus, non? Je l'ai bloqué. Donne-moi un peu ça ici. Mais ils ont refusé de comprendre. Ils ont refusé. Baisse un peu le volume sur toi, Pascal. Je ne connaissais pas le prêtre. Achille, tu étais là, mon frère. Tu étais là, mon frère, tu étais là, mon père. Tu vas, tu, c'est comme ça, c'est, écoutez, j'en ai marre. Parle vite. Oh, asseyez-vous là-bas. Donc, dans les cas, là-bas, vous ne suivez pas. Si vous, je vais vous envoyer dormir, hein, si vous n'êtes pas sage. Va comme ça. C'est la comédie qu'elle joue. Elle joue la comédie. Vous allez écouter comment elle traite sa maman. De quoi elle traite sa maman? Et vous allez me dire que moi, elle veut me taire et avaler ça, vous mentez. C'est pas sur moi que la dépression là va arriver. C'est sur elle-même. Au nom puissant Jésus, je lance le feu de l'éternel sur elle. Je lance le feu de l'éternel sur elle. Je lance le feu de l'éternel sur elle. Que le feu de l'éternel la brûle. Que la, ça l'amène en enfer. Ma mère ne mourra pas. C'est elle qui mourra. Au nom puissant Jésus. Au nom puissant Jésus. Vous dites quoi? Que je me calme, que je fais, que je dois faire quoi? Quel genre de vacances? Quel genre de vacances? En écoutant des vidéos où on insulte sa propre maman, la dernière des mamans. Je pourrais que parler. Le prêtre. Tu n'as pas encore pleuré. Pleurer, le sang va couler dans tes yeux, madame. C'est moi, Aditor You. Je te le dis. N'importe quoi. Je t'ai jamais manqué de respect, non. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as chié sur ta route. C'est quand tu as la gratitude envers quelqu'un. Yempe. Parce que tu dois comprendre que c'est Dieu. Change de disque. Tu n'es même pas une chrétienne. Tu n'es jamais allée à l'église. Tu n'es jamais allée à l'église, madame. Tu connais Dieu? Démon. Apportez-moi la photo de Pygmé. Regardez. Elle dort chez les marabouts. Regardez. Elle dort chez les marabouts. C'est ça. La voici. La voici ici chez les pygmées. La voici. Quand elle vient au Cameroun, direction chez les pygmées. La voici. Avec son frère. Et son grand frère. Il s'appelle Albert. Albert. C'est lui. Bonsoir Albert. Bonsoir. C'est lui. C'est Albert Mba. C'est Albert Mba. Tout Kribi le connaît. C'est lui. Bonsoir Albert Mba. Tu avais raison. En pleine forêt. Vous voyez ça, hein? Elle dort chez les marabouts, chez les pygmées, regardez très bien. C'est Pascal qui parle, j'assume. Pascal, un voilà, marabout voilà. Qui n'a... Il s'appelle Pascal Mba. Bonsoir Pascal, c'est Pascal. Allez dormir, sortez, okay, allez, allez. Partez. Allez dans la chambre. Et ils sont là, ils sont là, ils veulent... Donc ils veulent suivre... Ah. Vas-y. Un marabout qui couchait avec elle. Ah. Un marabout... Vous avez entendu, vous avez suivi le marabout. Bindaya avec elle. Le marabout Bindaya. Écoutez, le marabout Bindaya. Qui couchait avec elle.
Ça, c'est un pygmée. Regardez très bien, je ne cache pas. Voilà ça. Vous voyez? Un marabout qui couchait avec elle pour attacher son mari. Ne prononce le nom de personne ici. Non, son frère. Pour attacher. Pour attacher son mari. Il s'appelle Gareth B. C'est son frère qui dit Gareth. Elle est attachée dans un papier à ciment. Avec un animal que quand ça t'attrape, ça ferme les yeux. On appelle ça le paresseux. La main. Quand ça t'attrape, ça colle. On vous doit seulement couper ton bras. Ou on coupe le bras du paresseux là. Et quand ça t'attrape, ça ferme les yeux. Parce que ça a peur et ça a honte. Elle a emballé ça dans un plastique. Elle a donné à la maman de garder. La maman ne connaissant rien. Elle a gardé ça pendant un an. C'est là où la maman demande que, Eke, viens chercher ce que tu m'avais donné de garder. Quoi ça? Nous allons sortir ça aujourd'hui. Oui. Maintenant, elle envoie son grand frère là, qui a la boîte de nuit, de venir chercher le truc. Quand la maman maintenant étant curieuse, elle est en train de vouloir sortir le truc, elle ouvre, elle voit que c'est un condom, que le spermatozoïde est déjà séché. Maman, j'ai maman. Avec la main d'un animal. C'est comme ça que la maman dit, au nom puissant Jésus, elle a brûlé. C'est comme ça que le mariage est en train de se gâter, comme elle est en train de détester la maman comme vous voyez là. Parce qu'elle a brûlé le maraboutisme. Elle n'a pas accepté ça. Ma mère croit à un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, comme notre papa, il a cru en un seul Dieu. Notre Dieu comme ça. Aujourd'hui là, non. Aujourd'hui là, non. Il y a beaucoup de révélations. Partagez ce direct. Aujourd'hui là, j'en ai marre. J'en ai marre. Que c'était. Elle a pris le... Cache pas. Voilà ça. Vous voyez? Un marabout qui couchait avec elle pour attacher son mari. Ne prononce le nom de personne ici. Pour attacher son mari. Vous comprenez? Je suis témoin de paresseux. Le paresseux, c'est un animal. Et c'est ça, aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui. Qui retourne sur elle. Et elle s'en prend à sa propre maman. Ma mère ne connaît pas le maraboutisme. Ma mère ne connaît pas le maraboutisme. Maman ne savait pas ce que c'était. Elle a pris le spermatozoïde de son mari. Elle a attaché dans un papier à ciment. Avec un animal que quand ça t'attrape, ça ferme les yeux. On appelle ça le paresseux. La main. Quand ça t'attrape, ça colle. On vous doit seulement couper ton bras. Ou on coupe le bras du paresseux là. C'est quel animal, et quand ça, ça t'attrape, ça ferme les yeux parce que ça a peur et ça a honte. Hey, maman, c'est encore quel animal? Elle a emballé ça dans un plastique. Elle a donné à la maman de garder. La maman ne connaissant rien. Elle a gardé ça pendant un an. Que le spermatozoïde est déjà séché. Tchou! Avec la main d'un animal. C'est comme ça que la maman dit, au nom puissant Jésus, elle a brûlé. C'est comme ça que le mariage est en train de se gâter, comme elle est en train de détester la maman, comme vous voyez là. Parce qu'elle a brûlé le maraboutisme. Elle n'a pas accepté ça. Ma mère croit à un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, comme notre papa. Il a cru à un seul Dieu. Notre Dieu qu'on sert, pas le Dieu de la brousse de la forêt. Le Dieu des le Dieu des eaux, non. On croit en un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est ça qui fait la guerre dans cette famille. Parce qu'on a brûlé le spermatozoïde de son mari qu'elle avait attaché. Vous avez compris? Voilà le secret qu'on vous donne aujourd'hui. Elle veut tuer cette femme à cause de ça. Elle ne va pas la tuer. Pour tuer ma mère, il faut passer sur ma tête. Vous allez me tuer avant de la tuer. Vous avez compris? Oui. Aujourd'hui, là, non. Aujourd'hui, là, non. Il y a beaucoup de révélations. Partagez ce direct. Aujourd'hui, là, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Et comme c'est trop, c'est laid. Aujourd'hui, là, non. Je vais dévoiler tous les secrets. C'est une fille qui mange marabout. C'est une fille qui dort marabout. C'est une fille qui se réveille marabout. Donc, son frère. Donc, ne voyez pas la cause. Je suis prête. Je suis prête devant, derrière, à droite et à gauche. En haut et en bas.
en haut et en bas. Voilà. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous n'allez pas tuer cette femme parce qu'elle a gâté votre maraboutisme. Non, vous n'allez pas la tuer. J'ai dit non. Vous n'allez pas la tuer. Elle a fait ce que Dieu demande. Elle a vu que un être humain était emprisonné dans cette maison. Et elle a refusé ça. Partagez le direct dans les groupes. On va connaître qui est Madame M. C'est quoi M12? Non, M12. Madame M12. M... C'est l'adresse qu'on vous donne. C'est son adresse qu'elle vous donne là. M12. Les quartiers de Bepanda, Misoke, en Angleterre. Oui. Partagez ce direct. Oui. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Le quartier quoi? Mais pas la Misoke. Ouais, Seigneur, Madame M12. Tu dis là, non? Aujourd'hui, non. Il y a beaucoup de révélations. Partagez ce direct. Aujourd'hui, là, j'en ai marre. Et quand c'est trop, c'est laid. Mangez Jésus. Je bois Jésus. Je respire. Et je vais prier sur vous. Le tonnerre. Le tonnerre du feu de l'Éternel que je vais verser sur vous. Vous ne me pouvez pas. Parce que je suis prête. Je suis prête devant, derrière, à droite et à gauche. En haut et en bas. En haut et en bas. Voilà. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous n'allez pas tuer cette femme parce qu'elle a gâté votre maraboutisme. Non, vous n'allez pas la tuer. Je dis non. Vous n'allez pas la tuer. Elle a fait ce que Dieu demande. Elle a vu que un être humain était emprisonné dans cette maison. Et elle a refusé ça. Partagez le direct dans les groupes. On va connaître qui est Madame M. C'est quoi M12? Non, M12. Madame M12, M11. Les quartiers de Bepanda, Misoke, en Angleterre. Oui, partagez ce direct. Oui. Oui, ça devient sérieux et fatigant. Vous allez vous fatiguer. Celui qui est fatigué va dormir. Vous avez les lits. Vous avez les lits, allez dormir. Donc, si vous comprenez que cette mère est détestée par une fille qu'elle a portée 9 mois dans son ventre. C'est son frère. À l'époque, il n'y avait pas nos choses qu'on dit. Elle a souffert. Elle faisait frire les beignets. Dès qu'elle entend les douleurs, elle va marcher jusqu'à l'hôpital de district de Kribi à pied pour écarter ses pieds et accoucher une fille qui va venir sur Facebook lui traiter de zéro. Donc, je vous dis, c'est à cause du spermatozoïde que la maman a brûlé. En mettant le nom de Jésus-Christ, elle a libéré ce type. Et depuis qu'elle a libéré ce type, ça fait 5 ans, il a ouvert et il a vu une Thaïlandaise. Le type, ça va. Il a vu une Thaïlandaise. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, nous allons sortir les vérités. Et aujourd'hui, c'est jusqu'à la gare. Donc même les derniers détails. Et c'est comme ça que dès qu'elle va me rappeler de quelque chose qui ne va pas, je vais verser sur toi. Tu t'es attaqué à Joséphine Bayan. Tu t'es attaqué à Joséphine. Tu t'es attaqué à Joséphine Bayan. Vous avez suivi, non? Donc ne mentez pas. Vous avez suivi, non? Voilà. Joséphine Bayan. Mais madame, tu mens. Tu n'atteins pas Joséphine Bayan à la cheville. Tu ne l'atteins pas. Maintenant, je vais vous laisser le père qui va vous expliquer la mort de notre papa que vous voyez. Je vais vous montrer. Voilà papa et maman. Ce type-ci, la mort que tu as créée sur ce type, va te hanter toute ta vie. Toi et ta progéniture et ton grand frère de sorcier. Voilà. Voilà, maintenant, le père va parler. Ok. J'ai parlé avant-hier à visage couvert. Maintenant, je vais parler en direct. Elle a mis tes photos là où tu étais, même si tu as ton sang.
Ils ont posté ma photo sur Facebook. Attends, je te mets à la télévision. Voilà, t'entends pas là, Pascal parle. On m'a mis sur Facebook quand ils suçaient mon énergie, ces deux-là, quand ils m'ont empoisonné en 2018, on a enlevé de ma gorge trois poils de panthère. Ce n'est pas des moustaches de panthère. Et pendant que le traitant était en train de m'enlever ces poils, cette sorcière chouette qui ne peut pas porter le matelot comme toutes les autres femmes, qui ne peut pas porter le matelot comme toutes les autres femmes, m'a envoyé des messages pour se moquer de moi, pour m'insulter, pour me souhaiter la mort, pour me dire dans tous les cas, si je mourais, ce n'est que ma mère qui aurait perdu un de ses enfants, elle n'aurait rien perdu. Je voulais simplement dire quelque chose. Il savait déjà qu'il serait successeur. Je ne sais pas s'il a l'esprit de divination pour savoir ce qui va arriver après ou bien demain, pour prédire l'avenir. Ce qui est bizarre, c'est que M12, voilà, un satané, justement, qui, dans les années 2012-2013, non, en 2004, Judith Alchulet vient signaler ici, devant nous, et devant lui, il n'a jamais nié qu'il y avait un marabout qu'il a rencontré, qu'il lui aurait promis qu'il poserait des actes qui feraient que le père resterait malade. Ça veut dire que cloîtré dans un siège, ferait toute sa souffrance, mangerait sa peau, mais il se ferait beaucoup d'argent derrière la maladie de son père. Ça veut dire quoi? Ça n'a même pas fait 2 mois. Le père est tombé malade. De 2005 et pendant toutes ces années, il y a des gens qui ont pris soin de leur père et qui ont pris soin de leur mère. Y compris les enfants et leur père et leur mère. Sauf, ça n'a jamais été. Pire, le père, quand il s'est fait opérer à Yaoundé, son frère satané n'y a pas mis les pieds, sauf venir engueuler le médecin, montrer qu'il a le muscle chargé, le muscle imbibé d'eau, la mousse imbibée d'eau. Tu presses, ça se dit. C'est ça le problème. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Toutes ces années ont couru, la maman a souffert, tous les autres enfants ont souffert. Elle va envoyer les miettes comme tous les autres enfants envoyaient les miettes pour prendre soin de leurs parents. Entre temps, quand les autres filles arrivaient, toutes les filles qui arrivaient ici prenaient soin de leurs parents en direct, malgré l'argent qu'elles envoyaient. Mais cette satanée, cette chouette qui me tient de bâtard, pourtant elle est 5 ans derrière moi, différents âges, elle est 5 ans qui me tient de bâtard. Elle sait comment, elle sait en quelle année ma mère s'est mariée, elle sait en quelle année on m'a accouché. Moi, dans mon acte de naissance, se figure le numéro de l'acte de mariage. Et je suis le seul enfant de tous ces enfants dont le père s'est levé, allait faire l'acte de naissance. Le reste, c'est la maman qui en a souffert. Je suis le seul enfant dont le père a fait l'acte de naissance. Qu'elle soit jalouse, c'est son problème. Elle a décidé de me faire garder un homme, ça la regarde. Mais malédiction à elle. Elle n'a pas refusé. Et Seigneur, la femme du milliardaire est anti la famille. Il est devenu pompiste. Il va mourir de rire. Ouais, toi, tu savais comment? Ouais, t'es Albert, tu es un caisse. Elle n'a pas refusé que, parce que je cite ce que j'ai dit ce jour, en tout cas tout ce que j'ai dit ce jour, elle n'a pas dit. On va réécouter la partie là. Qui me tient de bâtard. Mm-hmm. Pourtant, elle est 5 ans derrière moi, différents d'âge. Elle est 5 ans derrière moi, différents d'âge. Elle sait comment, elle sait en quelle année ma mère s'est mariée, elle sait en quelle année on m'a accouché. Moi, dans mon acte de naissance, se figure le numéro de l'acte de mariage.
Et je suis le seul enfant de tous ces enfants dont le père c'est son petit frère. Le reste, c'est la maman qui en a souffert. Je suis le seul enfant dont le père a fait l'acte de naissance. Qu'elle soit jalouse, c'est son problème. Maman, elle a décidé de me faire garder un homme salamga, mais malédiction à elle. Heureusement pour vous, elle n'a pas refusé que je l'ai. Qu'elle a séjourné chez moi, elle était chez moi. Elle n'a pas refusé que j'ai élevé sa fille, elle m'a jamais donné un avis. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est que je suis bâtard, comme son frère dit, je suis peiné, je suis monté sur le salut. C'est un disque rayé, il faut qu'il change de chaise musicale. Qu'il change. Elle prétend qu'elle a envoyé sa fille ici pour passer les vacances, elle m'a appelé. C'est une satanée, je le dis, je le précise, il ne mange que les écorces, mais je leur dis toujours que je mange Jésus-Christ, je dors Jésus-Christ, je me réveille Jésus-Christ. Ils ne feront rien. Quand tu es imprégné, n'est-ce pas, des valeurs, de certaines valeurs, de justice, de paix, c'est pour ça que je leur permets de faire ce qu'ils veulent. Sinon, cette satanée serait moi. Sa fille, quand peut-être que sa fille m'appelait, quel esprit donc comment sa fille s'est retrouvée? Celle qui m'avait appelé pour envoyer des enfants, se retrouva à verser le sable dans la maison, verser l'eau à réseau, chasser mes enfants, chasser ma femme de la maison. Quel esprit? Comment c'est possible? Ce n'est que des plans sataniques qui relèvent de la sorcellerie. Et je dis toujours, c'est très dangereux quand deux illettrés, peut-être le mot est faible, ces deux sont des parfaits illettrés. Je dis parfaits. Plus que parfaits illettrés. Elle n'a pas, je ne sais pas si elle a fait, elle n'a pas fait la classe de cinquième. C'est sixième. Ouais, le lot, tu as fait. Le lot, tu étais quand même en première. Ouais, le Seigneur n'a pas fait cinquième. Wesh, wesh. Ça dit que dominer la famille, esclavagiser la famille, infantiliser la famille, infantiliser la famille, parce qu'elle croit avoir les mais qu'elle n'en a pas. Je dis qu'elle n'en a pas. Heureusement, elle n'a pas lié tout ça. Ma chérie, elle ne t'a pas dit qu'elle envoyait les nus d'Abilon. Elle ne t'a pas dit qu'elle envoyait son corps à Abilon. Publié. Elle était trop belle. Tu as compris? Elle t'a pas dit que c'est chez Bilon. On arrive, tu es pressé. Ouf, dégagez. Elle est rentrée dans des conjectures, dans les idées. Dans les préjugés qu'elle ne peut pas démontrer. Sans preuve. Moi, je dis, je fais des affirmations. On a signalé le direct. Qui sont vides comme le taureau. Parce que le taureau fait tout le bruit. Voilà monsieur qui a décidé de tuer son père vivant. C'est-à-dire que le père est assis dans sa chaise roulante. Mais il est déjà vendu mystiquement. C'est vendu. Mais c'est de la même manière. Pendant donc qu'il est malade, voilà un monsieur. Bébé. Comme hier. Halte hier. Halte. Halte. Sors. C'est celle qui a élevé comme toi la pauvre malheureuse qui envoie ses doigts dans les têtes des gens. Elle dit qu'elle est riche, elle aurait pour le dos, je veux dire quoi, perdu aux employés, de travailler à sa place, elle a la caisse, ça c'est tout. Elle envoie ses sales doigts avec sa fille docteur, que j'ai élevé, sa fille docteur en quoi, en ongle, en docteur des ongles. Elle m'avait dit qu'elle est avocate. On envoie donc le père, il prend le papa chez lui, en dormé chez lui. Voilà le monsieur, toutes ses filles lui envoient l'argent. Chaque mois, sa mère lui envoie au moins 300 000, chacune des filles lui envoie au moins 300 000 chaque mois. C'est quand les filles se rendent. Le son n'est pas bon. Hein. Qui était assis sur sa chaise roulante, qui a souffert pendant près de 17 ans. 16 ans sur sa chaise roulante, c'était donc terminé la souffrance. Le gars descend. C'est comme ça qu'il se retrouve sur sa chaise roulante. Ça dit que, et la bave commence à descendre. C'était terminé. Et comme la sorcière savait ce qu'elle faisait, c'est son frère qu'elle a appelé d'aller à la pharmacie chercher deux
deux appels à Fabas qui sont venus ici avec un... Oui, oui, le fils, il était où? Il avait disparu. Il avait disparu. Laurent Delon s'était arrivé ici, venu insulter toujours la maman. C'est les faits. Je parle des faits. Je ne parle pas d'autre chose. Et je dis encore cette satanée de fille. Je sais que tu es en train de voir. Je sais que ton fils est en train de voir. Regarde-moi. Voici les médicaments qu'ils ont achetés à la pharmacie. Quand oui, 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 oui. C'est le carbone fosse qu'ils ont donné. Quand ils avaient donné. Calme-toi. Quand ils ont donné le charbon. Quand ils ont donné. Quand elle a donné les deux comprimés, donc elle seule peut répondre de la provenance. Elle est partie, elle a voyé son frère qui est parti. Elle est revenue à deux personnes qui ont apporté sa carbofosse. Je ne connais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce qu'elle a d'abord donné comme comprimé. Et ce qui est sûr, c'est que ce que je retiens, c'est que le papa s'est retrouvé cloîtré définitivement jusqu'à sa mort dans son lit. Voilà la vérité. Qu'elle cesse. Elle veut qu'on aille au-delà. On va y aller. Et je lui dis encore que l'esprit qu'elle a, qu'elle sache que on a 10 fois cet esprit, moi. C'est la pensée que être calme ne veut pas dire. Elle peut savoir ce qu'il en est. Je pense qu'elle peut savoir ce qu'il en est. Un lac est plus dangereux que le fleuve qui coule. Moi, quand je reste tranquille, c'était parce qu'elle savait que c'était ma soeur. Vous savez que c'était... Je vous explique comment elle a les titres fonciers en main. Il y a plus de 2 ans avant le décès du papa. Il y a plus de 2 ans... Non, j'ai bloqué. 2 ans avant le décès du papa. 2 ans avant le décès du papa. Il cherchait là ses titres fonciers. On fouillait ça ici tous les jours avec la maman. À chaque fois que j'arrivais à crédit, on fouillait ses titres. Mais, bizarrement, paradoxalement, on arrive à crédit. Le père décède. Il arrive au village. Il déclare qu'il a les titres forcés avec lui. On les lui a remis en tant que. Non, pas aujourd'hui. Attendez. Il y a des révélations. Attendez, je dans ce téléphone de notre papa. Oui, tu vas le faire. Mais ça sera dans le prochain direct. Vas-y. Voilà. Moi, je veux qu'on finisse. Non, on ne finit pas. Disons-nous la vérité. Ça va aller un à un. Mon problème, c'est que. Laissez, moi, je veux parler. Attends, je vais finir, je vais te donner. Non, attendez. Si je suis ici là, c'est parce qu'il faut qu'on dise la vérité. C'est la vérité. La vérité là. Tu as raison. Bon, mais moi, je n'ai pas vu. La ville est directe, je ne suis pas la voie des amours. Je suis venu ici là pour tout dire. Et c'est comme moi, ça vient dans ma tête. On fait ça. Et quand je vais tourner mon dos là, je ne veux plus moi. Je vous ai dit que ce qu'il dit en patois là, c'est quoi? Si ce que nous on dit ne concorde pas avec ce qu'elle va répondre. On va bien laisser ici. Donc on vous dit que elle a pris les titres fonciers. Ils ont pris les. Longtemps avant, elle avait signalé qu'il était. Quelques années après, on a cherché les titres fonciers, on n'a plus jamais retrouvé. Mais bizarrement, quand le père est décédé, il y a un monsieur qui vient ici, voit la maman, il dit il avait 840 000, le papa lui a prêté 840 000, pourtant le père n'avait ni main, ni pied, il ne marchait plus. Mais voilà quelqu'un qui vient déclarer qu'il a 2 titres fonciers, le père avait hypothéqué les titres fonciers contre une somme de 840 000. On ne sait pas comment c'est possible. C'est là que je demande à maman que, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Tu me l'aurais dit que ce monsieur n'aurait jamais bougé d'ici. C'est le commissariat qui aurait fini avec lui. J'aurais vu comment il serait parti. Donc, ça veut dire que quand le père est décédé, ils ont monté leur coup. 15 temps après, on voit le monsieur qui vient dire il a les titres fonciers. Un salopard, il ne sait même pas que sa soeur l'a roulé. Il prend les titres fonciers, il va grandir. Mais sauf que j'ai dit à ce monsieur, que dis à ta soeur, toi tu n'es rien. C'est ta soeur que je vais, comme elle veut me détruire, c'est elle que je vais cogner. Parce qu'elle n'est rien. Dis-lui que les titres fonciers dont elle se prévaut, qu'elle aille faire l'amour avec, qu'elle a utilisé pour les papiers hygiéniques, parce qu'elle ne posera aucun acte juridique avec ça. Elle ne fera rien de ça parce que nous sommes au tribunal. Elle a prétendu que je suis banal, on verra dans ce je suis banal. Elle n'a pas dénié tout ce que j'ai dit, elle n'a pas nié. Elle est rentrée dans les invectives. L'autre connard, moi je. Vous savez quoi, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je n'en. On va continuer. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Son frère m'a écrit. Il faut que je dorme. On va continuer.
Ce n'est pas moi qui parle. Ce sont ses frères, même père, même mère. Les titres français que vous avez montrés, soit 10 ans. Pourtant, avant, les papas gardaient les titres fonciers dans les coffres forts. Mais son père ne savait pas encore. Avant de mourir, il a cherché ses titres fonciers. Elle vous a dit que son père lui avait remis. Pourtant, c'est faux. Et moi, elle m'a dit autre chose. Mais c'est sa petite soeur m'a dit qu'ils vont la flatter, la reprendre et récupérer les papiers avant de la jeter. Ce qu'ils font là, que c'est ma soeur, j'ai ri, elle m'avait déjà dit. Parce qu'elle avait appelé quelqu'un pour prendre mon numéro, pour qu'on se reconnecte. Elle dit non. Ils vont la prendre, la flatter, récupérer les papiers. Mais eux, ils ont le titre de propriété. Vous comprenez, non? On va... Comme ma grande Nadège ne m'a pas dit, bonsoir, ne viens pas. Tu penses que c'est une femme de 2 ans. Elle ne dit rien. Tu sors, je dis, je sors demain. Tu sors, je sors. J'aurai des ennemis, je vais accepter. Donc les Camerounais sauront la vérité. Montre tes propres titres fonciers. Tu mets le numéro, on va vérifier. Tu n'en as pas. Ta mère a sauvé la vie d'un blanc qui était enfermé dans un prison. Tiens. Et tu viens me parler aux gens. Ta petite soeur dit que tu as insulté Joséphine Bayan. C'est pas moi qui le dis. Moi-même, tu m'avais dit la même chose. Tu voulais faire des directs et des directs. Elle était stoppée. Tu es jalouse. Ça te ronge. Tu n'as rien. Et même si tu en veux, tu ne donnes pas envie de te regarder ou de t'envier. Pas du tout. Laisse la vie de Lolo. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que Lolo va faire. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que Lolo va faire pour t'énerver. Tu dis qu'elle crie. Je vais mettre le direct où tu cries. Samy perd son âme que tu as mis en fond d'écran. C'est ton goût. Tu n'aimes que les gars bruns. On va parler de l'homme de ton village qui a mangé 100 000. Tu n'es pas un exemple. Lolo n'est rien. Lolo n'a rien. Sa fille va échouer, comme tu dis. Mais tu n'es pas Dieu. Ta fille est avocate. Mets son certificat, on ne peut pas vérifier. On quitte ça. Nous, on aime aller à la source. On aime aller à la source. Notre fille sera aussi plus que ça. Tu n'es pas Dieu. La fille de Lolo n'a que 15 ans. Pourquoi tu la compares à ta fille? Tu sens que tu as une jalousie qui te ronge. Ta fille avocate, cause avec les amis de ta fille. Les parents des amis de ta fille. Les impacteurs, les impacteuses dans ta tête. Tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde. Donne-nous les références. On va vérifier. On a la famille en Angleterre. Il y a les Anglaises ici. Bomae. Tu as pris la vie d'un pauvre blanc. Tu es enfermé pendant des années. Ta mère l'a délivré. Et tu, c'est pour ça que tu voulais qu'on insulte ta mère. Tu as tout fait pour que je l'insulte. Je dis jamais. Montrez-moi un seul direct où j'ai insulté ta mère. Jamais. C'est pour ça que quand je dors, j'ai la paix. J'ai la paix. Voilà une British. Elle était mariée à cause des fétiches. Grâce, je dirais, aux fétiches. Ce n'est pas ton potentiel ou pas ta beauté ou quoi que ce soit. C'est grâce aux fétiches. Je m'arrête là. Tu sors demain, je sors le soir. Tu sors après demain, je sors le soir. Ça ne chauffe pas. Bilon, excuse-moi, on va parler de ton cas. C'est qui est sur ça? C'est elle qui m'a dit que tu étais Depso. C'est elle qui m'a dit que tu es un tchélé. Je n'ai pas inventé que tu bois le Guinness. C'est elle qui m'a raconté. Je vais te raconter après. En voulant humilier Lolo, regarde d'abord ta vie. Tu n'es pas un exemple. Quand tu parles même du direct, tu humilies même Samine. Arrête de l'humilier.
Elle est en Europe. C'est ce que tu as voulu faire à ta famille. Tu as voulu humilier tes frères. Il m'a écrit. Tu les humiliais. Je vous donne, je vous nourris. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu as voulu humilier tes frères à l'extrême. Dis-moi. Donc, je vais me coucher. Ma fille commence à la crèche demain à 10h. C'est ça qu'on est encore là. Sinon, ma fille ne savait pas qu'elle allait être l'une des plus, les femmes les plus influenceuses du monde. Allez lire l'histoire d'Oprah Winfrey. À 35 ans, je vais dire, elle croyait qu'elle était perdue. Ses copines l'ont dépassée. À 42 ans, Dieu a sonné son heure. Elle est Oprah Winfrey. Tu as compris? Comme l'homme si bien le dit, Madame Macron, elle a été une première dame à la soixantaine et plus. Il n'est jamais trop tard pour toucher, pour palper. Parce que tu as l'étoile, mais tu n'arrives pas à la toucher. Il n'est jamais trop tard pour tenir son étoile. Lolo la tiendra et je tiendrai mon étoile. On n'envie personne. Je ne t'ai jamais envié, mais tu ne m'as jamais bluffé. Tout ce que tu mets, c'est fake. Tu n'as rien d'original. Tu mets Zara et du fake. C'est pour ça que tu étais jalouse de Bayan. Le blanc que Lolo avait eu à Nice dépasse 10 fois le pétrolier. Elle n'a pas voulu. Elle n'aime pas les blancs. Il dépasse 10 fois. Elle a le corps que le blanc veut. Elle a tout ce que le blanc veut. Elle tombe à Monaco, c'est la maugie. Mais elle n'aime pas les blancs. Elle va pas aller se donner un homme qu'elle ne veut pas. Vivre dans un paradis doré pour me faire plaisir. Non. Puisqu'on meurt, on laisse ça. Vie avec l'homme. C'est un technicien de lycée. Il n'est pas un ingénieur. Même le CV de Gareth B, nous vérifions la source. Il n'a jamais été ingénieur. Tape sur Google. Tu tapes Gareth B, pipeline. Ça va te dire tout. Il n'a jamais été un directeur au pipeline. Il est technicien. Gareth B n'a jamais été directeur au pipeline. C'était un technicien. Les directeurs peuvent être techniciens, mais n'étaient pas directeur. Un directeur avait un technicien, mais n'était pas directeur. Maman. Tu as compris. Donc la prochaine fois, avant de faire le direct, ne te fais pas trop belle. Tu as dit à Bilon, tu cherches encore qui? Viens comme moi là. Même dans la vie réelle, je suis la même personne. Je suis dans ma vie il y a quelques mois. Elle a pas, elle a Wanda. Je suis la même. Tu as compris. Bilon, le frère Basset Atana. Coucou Carole. Clète, bonsoir. C'est le frère Basset Atana. Il te tapait, tu venais pleurer dans mes oreilles. C'est dans mes oreilles que tu pleurais. J'avais honte à ta place. Et tu viens parler de Lolo, de Queen Mebio, de ceci, des bordels de méta. Donc retenez à partir d'aujourd'hui que Solange YMP a été le comité d'accueil. Les bordels qui ont accueilli le... Vous forcez le destin. Et je vais dire ce que tu m'as dit de ton frère qui a les boutiques là. Quand il a perdu sa fille, quand elle s'est suicidée, ce que tu m'as dit. Je vais dire. Le paresseux. Tu as fermé la vie de Monsieur B avec un animal qu'on appelle le paresseux. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, YMP, c'est 2 ans de clash. J'ai 10 fois le caractère que tu as. La différence entre toi et moi, c'est que je n'entre pas chez les marabouts. Je suis la fille du prophète Eric. Je dors prophète Eric. Je me réveille prophète Eric. Je n'écoute que lui quand j'ai le temps. Et le prophète Aisé. Je n'écoute que. Je n'écoute que ça quand j'ai le temps. Je dors pendant le direct. J'écoute les paroles bibliques. Mais quand tu m'attaques, j'oublie ça. Je sors. Je ne fais pas comme ma mère. Ma mère, quand tu l'attaquais, elle priait. Ils l'ont fini à elle. Ils n'ont pas eu pitié d'elle. Moi, pour finir avec moi, je te tiens, on part ensemble. Je te prends, on part ensemble. Je ne pars pas seul. Donc, je m'arrête là.
Je vous souhaite à tous une bonne nuit. On continue demain. Bon, on va dormir, on commence demain. Merci à tous. Merci pour vos supports. Que cette femme ne coigne pas vos têtes. Que tu avais dit, que tu avais dit, que tu avais dit que... Restez derrière votre loulou. Elle n'a rien. Elle crie. Elle saute. Restez derrière votre loulou. Vous avez compris, non? Tout ça, c'est pour vous éloigner de loulou. Un seul objectif, vous éloigner de loulou. Et je dis à loulou, c'est bilon, bilon. Je dis à Mola Tombo, bonsoir grande soeur. Je dis à loulou, quand quelqu'un t'a provoqué, prends une semaine sur la personne. Tu piles, après tu laisses. C'est trop facile. Donc, j'ai pris l'amour, le respect que j'avais pour toi, j'ai craché, j'ai piétiné.